qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Más perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Irène, arrête ça, s'il te plaît. Tout a déjà été suffisamment difficile. Ne le complique pas plus. Mais bon sang, Leonardo. Je vais d'abord te faciliter les choses. Je pars avec Julio et Léo comme le voudrait ton épouse. Monte. Madame Irène, Je vais vous attendre à la maison, d'accord? Je dois aller là-bas. Si vous avez besoin de moi, que je vous amène ou que ce soit, pour n'importe quoi, je suis toujours là pour vous, oui? Je te remercie. On te comprend, Irène, t'as raison. Mais il faut comprendre mon père parce que tout ça est très difficile pour lui et également pour nous tous. Le plus important maintenant, c'est qu'on sache qu'il n'est plus veuf. Et qu'il n'y a que le premier mariage qui compte. Si tu n'as rien d'autre à dire, pourquoi tu ne te tairais pas? Tu te prends pour l'avocat de la famille. Léo. Tu crois qu'Irène n'avait pas déjà pensé à tout ça? Je vous en prie. Pas maintenant. On rentre à la maison parce que je dois parler avec votre père. Je veux pas aller dans cette maison, même si c'est ce que demande Irène. Je veux plus jamais voir la tête de ces gens. Moi, je suis d'accord. Elle n'a absolument rien à faire là-bas. Je sais que Trinidad pose toujours des conditions, mais je pense que si Maria Lucia ne veut pas y aller, tu ne devrais pas l'obliger. Mais bien sûr. Pourquoi Maria Lucia irait dans une maison dans laquelle elle n'est pas la bienvenue? Non, mon amour, écoute, je ne t'oblige pas. Juste, je te le demande, je t'en supplie, fais-le pour Irène. Fais-le pour Irène. Virginia, qu'est-ce qui se passe de si grave concernant Irène? On a découvert que la femme de Leonardo, la morte, est revenue. Quoi? Dis-nous, comment est-ce qu'elle est revenue? Tu penses que c'est comme une activité paranormale? Ah, Sandra, s'il te plaît, arrête de raconter des sottises. Oh, maman, c'est pas des sottises. Parce qu'une morte qui revient sur Terre, c'est quelque chose de bien étrange. Je comprends pourquoi Irène a besoin de compagnie maintenant. Apparemment, cette femme a survécu à l'accident et elle a perdu la mémoire ou un truc dans le genre, je sais plus. En tout cas, elle est chez les Ferrandises. Oh mon Dieu, Irène doit être désespérée. C'est vraiment ce qui m'inquiète, Loupé. Tout le monde se préoccupe de la nouvelle arrivée et Irène est toute seule là-bas. Mon amour, je t'en prie, écoute. T'as pas besoin de voir Léo si tu veux, y a pas de souci. Mais je te le demande, Irène a besoin de toi, elle a besoin de notre amour. Regarde ça, tu vois. Fais bien attention à ce qui se passe. Les deux entrent, tu vois. Il se lève, il la salue, lui serre la main. Tu vois, une rencontre normale. Mais c'est comme ça que tu salues quelqu'un qui est mort depuis 5 ans? Ah, Tony, peut-être qu'il l'avait jamais vue. Écoute, je suis certaine qu'il la connaissait pas. Non. Parce que tu n'as pas bien regardé Maribel. Regarde encore une fois. Elles entrent. Il se lève, il lui serre la main, et il lui fait même la bise, tu vois? Ça, c'est un bonjour de confiance, pas vrai?
Oui, c'est très étrange. Mm-hmm. Ou peut-être qu'Alejandra Altamirano l'a appelée et lui a dit qu'elle venait avec cette personne, c'est aussi possible. Oui, Maribel, mais même dans ce cas, c'est surprenant. Ah. Même lui, il devrait être plus surpris de voir cette femme. Oui, c'est vrai. Ou alors, Monsieur Bazalgnès savait déjà que cette femme était vivante. Mm-hmm. Il est notre suspect. Bien sûr qu'il le savait, c'est suspect. C'est très suspect. Très suspect. Tu sais, si tu continues comme ça, tu vas devenir la meilleure détective du monde. Alors, maintenant, tu ne pourras plus rien faire de mal. Parce que je te surveille de près. Eh oui. Irène, je n'arrive pas à y croire, je vous... T'inquiète pas, tout ça est très étrange. C'est normal que tu ne comprennes pas. On va essayer de régler les choses de la meilleure manière. Il n'y a rien à gérer de manière particulière. Il va falloir s'y habituer. Parce que maintenant, ça change tout. C'est normal que tu sois abasourdi, Ansola. Dis-moi franchement, t'avais déjà vu une résurrection? Je crois que c'est pas le bon moment pour les bêtises. Je rentre. Julio, c'est pas vraiment le moment. Hein? Ton père est très perturbé. Tes petits frères sont aussi très nerveux, je t'en prie. Moi, je les comprends tous. Mais qui me comprend? Je rentre aussi. Il a raison, Irène. Tout va mal, très mal. Consuelo, je suis très angoissée. Consuelo, ne t'inquiète pas. Moi aussi, je suis très angoissée. Mais en ce moment, vous êtes mes seuls soutiens. J'ai besoin de vous, calme. Je ne peux pas croire que je sois dans ma maison. Il y a des choses qui ont changé, maman. 5 ans sont déjà passés. Je sais, Léo. 5 ans se sont passés. Mais ma sensation près de vous est la même. Vous êtes devenus 2 hommes. Je sais que les choses ont changé à la maison. Je sais que j'étais absente pendant 5 ans, mais... Mais j'ai l'impression d'être partie d'ici hier. Mais ce n'est pas vrai, Rebecca. Beaucoup de choses se sont passées en 5 ans. Beaucoup trop, d'après moi. Madame Agustina m'a donné l'ordre de... Consuelo, pas maintenant. Je veux pas entendre ce qu'a à dire Agustina. Tu sais qu'en ce moment, je ne peux pas. Si tu veux plus tard, on discute et tu me racontes calmement tout ce qui s'est passé. Mais en ce moment, non, s'il te plaît. Mais je dois le dire avant que vous n'entriez, Irène. Consuelo, il n'y a rien de plus qui peut me surprendre. S'il vous plaît, je rentre. Ah, Ansola, ici il se passe des choses terribles. Je sens que la vie va être difficile. Irène, entre, s'il te plaît, ne reste pas devant la porte. Je comprends que tu es très importante et très proche de notre famille. Viens partager ce merveilleux moment avec nous tous. Irène est notre famille. Elle est notre maman. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Léna? Qu'est-ce que ça signifie, Leonardo? Tu m'as remplacée, moi? Par ta secrétaire? Rebecca, 5 ans sont passés et, comme tu le comprendras, je ne pouvais pas m'occuper seule de nos enfants. Et Agustina? Agustina n'était pas avec toi pendant ces 5 années? Pendant ces 5 années, maman. Tante Agustina ne s'est pas séparée de nous, même pas une seconde. Et alors? Irène était aussi avec moi pendant ces 5 années. Et pas seulement en tant que secrétaire, mais aussi en tant que... Ma sœur! Agustina, ma sœur, c'est toi! Oh, je suis heureuse que tu sois ici, c'est vraiment toi! Bonjour, Rebecca. J'imagine que tu dois être fatiguée après ce voyage et autant d'émotions. J'aurais jamais imaginé voir mes enfants si grands. Merci d'avoir pris soin d'eux. J'ai juste accompli mon devoir. Si tu veux que je t'accompagne dans ta chambre pour que tu t'installes pendant qu'on met la table. Non. Si, c'est bon. Va avec Agustina et repose-toi. Agustina, accompagne-la dans la chambre. J'ai déjà tout préparé, Leonardo. Dès que tu as appelé, j'ai demandé à ce qu'il nettoie tout. Il n'y aura aucun problème. Tu vois combien ta sœur est prévoyante? Oui. Oui, c'est vrai. La si prévoyante Agustina. On se voit au dîner?
Et alors, tu t'en vas déjà? Oui, c'est vrai, je m'en vais. Tout ce travail, le décalage horaire, la fatigue... Ah oui, j'imagine. Voyage en Europe en première, être hébergé dans un hôtel 5 étoiles, se déplacer en hélicoptère depuis l'aéroport... Oh, terrible, ça doit être très très fatigant. Tu vois, rien que d'en parler, ça me fatigue déjà. Ah oui, oui. Ton humour me fatigue vraiment. Je te jure, ça me fait mal à la tête. Mais bon, enfin... Carlos Ernesto, qu'est-ce que tu veux? Eh bien, tu allais normalement voir l'installation d'un bureau en Espagne, et étrangement, tu n'y es jamais allé. Eh bien, si je n'y étais pas, c'est parce que Leonardo m'a demandé de l'aider dès que je suis arrivée. Tu sais quoi, Alejandra? C'est ça qui m'a semblé le plus étrange, précisément. Tu es la personne au monde qui est la moins futée pour ce genre de choses. Carlos Ernesto, il me l'a demandé expressément. Je ne pouvais pas refuser. Et je dois t'avouer que j'ai parfaitement bien travaillé. C'est super. Maintenant, si tu veux bien, je dois partir. Avant, j'aimerais que tu me donnes quelques détails sur cet hôpital, où elle était et la façon dont ils l'ont retrouvée. Eh bien, tous ces petits détails. Oui. Il faudra les demander à Leonardo. Je suis désolée, mais je ne vais pas pouvoir t'aider. Je te rappelle que je suis l'un des patrons dans cette entreprise. Tu travailles pour moi. Tu es mon employé. Bon, Carlos Ernesto, je vais te dire une chose. Je n'ai et je n'aurai jamais d'explication à donner à personne. Et encore moins lorsque ça concerne Leonardo. Alors maintenant, je dois y aller. Donc, je vais te souhaiter une bonne journée. Ah ! Oui ? Au passage, quand tu sortiras, tu éteindras la lumière. Enfin, si tu atteins l'interrupteur. Bye ! Bon, voici ta chambre. Je demanderai qu'il monte toutes tes affaires ici. En vérité, il n'y a pas grand-chose à monter, Agustina. Ne t'inquiète pas pour ça, Rebecca. Pendant ces 5 années, je me suis assurée que personne ne touche à tes affaires. Je me suis efforcée à tout garder. Même ta dernière robe est en parfait état ici, donc il ne te manquera rien. Ok. Ma chère sœur, tu crois sincèrement que je vais porter ces habits passés de mode? Mais bien sûr! Tout ce que tu portes est à moi. T'es comme moi, Agustina. Mais ce n'est pas grave. Tu peux le garder, Agustina. Ça te va bien. Je te l'offre. Pour quelqu'un qui a perdu la mémoire pendant 5 années, je trouve que tu as beaucoup de notions sur la mode actuelle. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais tu sais, fais ce que tu veux. Je serai en bas si tu as besoin de moi. Pourquoi me traites-tu avec autant de distance? Tu n'es pas contente de savoir que ta sœur est vivante, qu'elle est revenue chez elle? Oui, mais je suppose que, maintenant que tu es rentrée, ma présence dans cette maison n'est pas nécessaire. Alors je rassemblerai mes affaires pour m'en aller. Le plus tôt possible. À tout à l'heure. Et après, ils disent que la folle, c'est moi. Cette odeur. Quelle horreur. Être de retour dans cette chambre. Partager ce lit avec la perfection morale de Leonardo. L'homme le plus ennuyeux du monde. Ça en vaudra la peine, Rebecca. Ça en vaudra la peine. Non, Leonardo. Irène, je t'en prie. Tu ne dois pas me rejeter. Comprends-moi, enfin. Comprendre quoi? Qu'encore une fois, tu n'as pas eu le courage ni la force de me défendre? Combien de temps je dois attendre, Leonardo, pour que t'arrêtes de me traiter comme ta secrétaire? À part partager ton bureau, quelles autres choses je peux espérer, hein? Même les enfants sont en ce moment perturbés par ton attitude. Mais comment aurais-je pu savoir que Rebecca allait revenir vivante, enfin? Irène, elle est malade. Elle est en train de vivre un moment qui est très long, qui est très dur. Nous devons faire très attention. Et en plus de ça, c'est la mère de mes enfants. Oui, je sais. Je sais très bien que c'est la mère de tes enfants. Mais si ce qu'elle a ne se soigne pas, hein? Qu'est-ce qu'on va faire, Leonardo, quand tu vas lui dire que maintenant, moi, je suis ta femme? Pourquoi t'as peur de lui en parler?
Ne te mets pas dans cet état. Leonardo, si Rebecca a pu très bien comprendre si rapidement que ses enfants ont clairement grandi. Parce qu'il faut dire que 5 années se sont écoulées. Oui, 5 longues années. Elle pourrait aussi comprendre que tu as pu refaire ta vie. Parce qu'elle était morte, Leonardo. Pour tout le monde, elle était morte. Je te demande juste de me comprendre. Je sais que tu es fâché. Mais pour l'instant, on doit se serrer les coudes. Non. Non. Je te demande juste de bien réfléchir à ce que tu vas faire. Comment tu vas résoudre ce problème? Quelle est la place que tu voudrais que j'occupe dans ta vie à partir de maintenant? J'ai besoin que tu y penses et que tu trouves la solution rapidement. Parce que je te rappelle que moi, j'ai des décisions très importantes à prendre. Et je ne peux pas t'attendre. Le buffet était vraiment délicieux. Ah oui? Comme la plus jeune est maintenant majeure, la comparution aurait dû la concerner, elle, et pas sa mère. Et comme Virginia est bien celle qui l'a reçue et qui l'a signée, on peut indiquer que Maria Lucia ne savait rien. Bien sûr. Alors, ça veut dire que le procès n'est pas encore terminé. Mais si nous, on peut gagner du temps et alors faire en sorte que... J'adore quand tu parles des lois. Je sais pas, je te trouve très attirante, n'est-ce pas? Oui. Ne me dis pas ça, car je vais te croire. Bien, tu peux me croire. Crois-moi. Paola, est-ce que je peux t'inviter à dîner ce soir? À dîner? C'est un rendez-vous ou un autre dîner professionnel? Non. Excuse-moi, ok? Cette fois, je te promets que ce sera juste... juste toi et moi. J'adorerais dîner avec toi. Toutes les nuits de ma vie. On va voir si j'ai bien compris. Mon papa ne va plus jamais aimer Irène et va retourner avec ma nouvelle maman. Notre papa et Rebecca ont toujours été mariés. Et elle ne s'appelle pas Nouvelle Maman, elle s'appelle Rebecca. On doit tous se mettre d'accord. Ne parle pas sur ce ton, Alena, Rolio, c'est une enfant. Si pour nous c'est difficile à assimiler, imagine-toi pour elle. Non, c'est pas difficile à assimiler. Je crois que j'ai hérité du meilleur cerveau de cette famille. Ah, arrêtez! Attention à ce que vous dites, faites très attention à ce que vous dites devant la petite, je vous en prie. Ne t'inquiète pas, Consuelo. Tous ensemble, on va y arriver. Alors c'est bien. Maintenant, on aura 2 mamans. Oui, comme la plupart de nos camarades d'école. Mais de quoi tu parles? C'est ce qu'on appelle une famille moderne. Les parents divorcent, et alors, il y a la vraie maman et la nouvelle maman, qui est l'épouse du papa. Ah, mon Dieu! Alors, papa et Irène, ils vont divorcer? Bon, écoute-moi bien. À l'arrivée de Rebecca, le deuxième mariage s'annule immédiatement. S'annule? Mais qu'est-ce que c'est? C'est que papa n'est plus marié avec Irène, Léna. Il est avec notre maman morte, qui n'était pas morte. Oh mon Dieu, vous embrouillez la tête de Léna. Viens, Léna, viens. Je vais vous expliquer. Papa ne peut pas être avec Irène, parce que maman n'était pas morte, et qu'il n'a jamais divorcé d'elle, vous comprenez? Alors s'il continue, il serait polygame. C'est un délit pour lequel on peut le mettre en prison. Rolio, arrête ça. Ça veut dire qu'ils vont mettre papa en prison? Non, ne l'écoute pas. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que quelqu'un veut bien m'expliquer de quoi vous parliez tous ensemble? Ben, mon papa a 2 épouses et ils vont le mettre en prison. Oh, mon amour! C'est pas vrai. Je dois me calmer. Ces émotions ne sont pas bonnes pour moi. Je suis tellement déçue que je ne peux pas te l'annoncer. Te dire qu'on va avoir un bébé. Maintenant, il y a Rebecca.
Je t'ai pas entendu entrer. J'imagine que tu es venu voir si j'étais bien installée. Mais ne t'inquiète pas. Ma sœur Agustina s'est déjà occupée de tout. Tu sais pas à quel point je suis heureuse de dormir ce soir dans ma maison avec mes enfants, avec Leonardo. Tu sais que si tu préfères, tu peux descendre. Dis-leur qu'ils préparent la table et que je vous rejoins dans une minute. Hmm? Peux-tu me rappeler comment tu t'appelles ? Irène. Irène, bien sûr. Je voulais seulement te dire merci, Irène. Parce que je sais que tu as été très importante pour Leonardo et parce que mes enfants t'estiment beaucoup. Oui, c'est vrai. Et je les adore. Mais à partir de maintenant, tu devras juste t'occuper des affaires de l'entreprise. Parce que pour ma maison, et pour mon époux, et pour mes enfants, je serai là pour eux. C'est compris ? Je vous comprends, Rebecca. Je sais que vous voulez rattraper le temps perdu, mais il y a des choses que vous ne savez pas encore. Écoute, Irène, je suis peut-être malade, mais je ne suis pas idiote. Je vois comment tu regardes Leonardo, comment tu essayes d'avoir mes enfants, comment ma présence te perturbe. Je vais te dire une chose. Toutes les femmes qui ont travaillé pour Leonardo, toutes celles qui ont été les secrétaires du brillant Leonardo Ferrandiz, finissent par tomber amoureuses de lui. Mais son épouse légitime, c'est moi. Vous ne savez pas qui je suis. Vous ne me connaissez pas. Vous ne pouvez pas me parler sur ce ton. Je te parle comme j'en ai envie, parce que je suis la maîtresse de maison dans cette demeure. Écoute, je veux pas me disputer avec toi. En réalité, je veux que les choses se passent bien, qu'on évite les problèmes dans le futur. Tu me comprends? Ah, Irène, j'ai demandé à ce qu'on mette tes affaires au débarras, mais Consuelo m'a désobéi et elle les a mises dans la chambre d'amis. Ce qui va rendre les choses plus difficiles pour toi parce que c'est beaucoup plus long de les sortir de là-bas. Je vois pas pourquoi je les sortirais, Agustina. Ici, c'est encore chez moi. Et Leonardo est encore mon époux. Tu es sérieuse? Non, je ne crois pas. Moi, je pense que pour t'éviter plus d'humiliation et d'éviter à nous, la famille, d'autres désagréments, ce que tu devrais faire, c'est partir. Partir enfin, en profitant de l'arrivée inattendue de Rebecca. Et prends la porte de derrière, celle que tu aurais toujours dû utiliser. Merci beaucoup pour tes conseils, mais j'en ai pas besoin. Ne crie pas victoire, Agustina. Ce n'est pas terminé. Si, c'est terminé. C'en est fini pour toi. Tes rêves de grande dame et de maîtresse de maison sont terminés. Retourne dans ton monde, Irène. Un monde que tu n'aurais jamais dû quitter. Et s'il te reste un peu de dignité et un petit peu d'humilité, tu devrais faire ce que je te dis et partir tout de suite sans rien dire, sans causer de problème. Ah, estime-toi heureuse, parce que ce que tu as vécu ces derniers mois, c'est beaucoup plus que ce que n'importe quelle femme comme toi aurait dû avoir dans toute une vie. Alors, tu ne vas pas chez Leonardo? Ils doivent pourtant en ce moment même célébrer le retour de Rebecca. Ah oui? Ben franchement, je sais pas ce qu'il y a à célébrer. Moi, en fait, j'ai pas le temps pour ces bêtises. Je préfère me concentrer sur mes recherches. Qu'est-ce que tu trouves de suspect à ce point? Écoute-moi, Juan Pablo. Tu peux comprendre pourquoi Leonardo a demandé à Alejandra Altamirano de s'occuper de ça. Pourquoi il m'a pas fait confiance? Eh bien, il doit avoir ses raisons. Il a ses raisons, d'accord. J'imagine qu'il pense dans ce cas que je suis inutile. Ce n'est pas vrai. Leonardo ne pense pas ça. On sait tous que t'es capable de faire n'importe quelle chose qui t'est demandée. Exactement. Et je pense qu'à partir de ce moment précis, je vais démasquer Rebecca.
Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi tu t'entêtes à croire que tout ça est un piège. Des choses bien plus étranges sont déjà arrivées. Écoute un moment, c'est pas un mystère. C'est pas une hallucination, c'est pas un miracle. Il s'agit d'une chose réelle. Et tout ça a été planifié par Rebecca. C'est une affirmation très grave. Et moi, je suis absolument certain de ce que je te dis. J'étais justement en train de vérifier une à une les pages qui évoquent les personnes portées disparues dans toutes les îles voisines des côtes vénézuéliennes à la date exacte à laquelle ils affirment que Rebecca a disparu. Et qu'est-ce qu'il y a ? Rien. Waouh ! Alors tu fêtes ton anniversaire et tu ne m'as pas invité ? Je voulais te préparer un dîner de bienvenue. Tu m'as énormément manqué. Oh, je t'en prie, Rodrigo. C'est complètement ridicule. J'étais à peine 4 jours à l'étranger. Et je doute sincèrement que tu aies profité de cette occasion juste pour te languir de moi. Eh bien, figure-toi que oui. Oui, tu m'as manqué parce que je me suis beaucoup trop habitué à toi. Mm. Et maintenant, je ne supporte plus d'être éloigné de toi une seule minute. Rodrigo, tu as amené une femme ici. Mais de quoi tu parles, enfin? C'est absurde, bon non, sang. Non, c'est pas absurde. Je connais très bien chez moi, et je sais comment c'est rangé. Et tu as ramené une femme ici, chez moi. Et ça, je ne le tolérerai jamais. Alejandra, tu sais bien que je ne suis pas un saint. Mais de là à ne pas te respecter, ou à ne pas respecter ton espace... Écoute, Rodrigo, je m'en fiche de ce que tu fais de ta vie, mais tu le fais en dehors de chez moi. Mon appartement, c'est sacré, et tu dois me respecter. Et si tu n'arrives pas à faire ça, alors tu pars d'ici immédiatement. Non, fiston, non, c'est que dans mon esprit, ça ne rentre pas. Comment elle est réapparue? Quand Carlos Ernesto m'a appelé, j'ai pensé qu'il me faisait une blague de mauvais goût. Oui, maman. On dirait que c'est faux, mais c'est la vérité. Et tu sais quoi? Quoi? Son état de santé s'est amélioré lorsqu'elle a commencé à prendre un de nos médicaments. Comment ça? Oui. Le médecin m'a raconté qu'elle n'allait pas bien, et qu'à un moment, ils ont décidé de lui donner l'un de nos médicaments, et elle a commencé à aller mieux. Et au bout d'un moment, elle a pris la boîte, et elle a commencé à lire, et elle a réussi à se rappeler. C'est là qu'en fait, elle s'est souvenue qu'elle était aussi une Ferrandise. Je t'en prie, fiston. Ah, je t'en prie, fiston. On dirait un mauvais roman. Eh bien, au moins... J'espère qu'il y aura une fin heureuse. Ah, je ne te crois pas. Et tu vas voir, c'est la même. Je vais te demander d'être prudente. Elle a effacé 5 ans de sa mémoire, tu sais. Alors, on doit lui parler en faisant très attention. Très bien. Et les enfants? Ils sont surpris. Tout comme moi, tout comme nous. Bon, je vais les voir. Oui. Excusez-moi, monsieur. Oui, Consuelo. Ah, en fait, je voulais dire quelque chose à Madame Irène quand elle est montée, mais ce fut impossible. Et j'espère que ça ne créera pas d'autres problèmes. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, Madame Agustina m'a donné l'ordre de virer toutes les affaires d'Irène en dehors de sa chambre... et de les déposer dans le débarras. Ne vous inquiétez pas. J'ai tout déposé dans la chambre d'invité. Mais c'est grave, Consuelo. Pourquoi ne pas l'avoir dit avant? Mais je ne pouvais pas, c'est vrai, j'ai pas pu. J'ai essayé de le dire à Madame Irène, mais c'était impossible. Monsieur Leonardo. Oh mon Dieu, j'espère qu'il ne va rien leur arriver de mal. Irène, qu'est-ce que c'est? Où vas-tu avec ces valises? Je rentre chez moi. Je rentre dans ma vraie maison, de là où j'aurais jamais dû partir. Mais Irène, ici, c'est chez toi. Eh bien non. Non, Leonardo. Je pars, s'il te plaît, ne me retiens pas. Leonardo, s'il te plaît, je veux plus rester ici. Irène, tu vas me laisser tout seul. Tout seul? Et tu crois que je me sens comment, moi? Toute seule. Sans soutien.
Je n'ai même plus ma chambre. Je sais même plus si on est encore ensemble. Et je crois que je vais partir sans le savoir parce que toi-même, tu ne sais pas quoi répondre. La seule chose que je sais, Leonardo, c'est que je vais pas rester dans cette chambre jusqu'à ce que tu saches quoi faire. Irène, je t'en prie. Tu sais très bien que c'est une situation inattendue, surprenante. Rebecca va très mal. Elle a des problèmes mentaux très graves. Je ne peux pas la confronter à la réalité tout de suite, d'un seul coup. Mais je vais te promettre une chose. Je ne vais pas dormir avec elle. Ah, bon sang. C'est ce qui m'importe le moins. Moi, je veux juste que tu défendes notre relation, Leonardo. Parce que moi, je sais ce qui se passe. Dis-lui. Dis-lui que tu as refait ta vie. Dis-lui que je suis ta femme. Très bien, d'accord. Laisse-moi une chance, s'il te plaît. S'il te plaît, laisse-moi au moins une nuit. Je promets que je vais lui dire. Mais si maintenant tu pars de chez moi, ma vie ne sera plus rien sans toi. Je t'en prie, ne pars pas. Laisse-moi cette dernière chance. Moi, ce soir même, je parle avec Rebecca et je lui dis toute la vérité. Mon grand, écoute-moi, s'il te plaît. Explique-moi, tu es le plus âgé, hein? Comment ça se fait que ta mère est réapparue après autant d'années? Tu comprends? Moi, je peux pas y croire. Et en plus, qu'est-ce qu'a dit ton père sur cette histoire? Hein? Je sais pas du tout, grand-mère. Écoute, je suis comme toi. Tout s'est passé si rapidement, c'est n'importe quoi. Mon père est parti en voyage quelques jours et ensuite il est revenu avec ma mère. Bien sûr que c'est n'importe quoi. En fait, j'y crois pas. Je n'y crois pas. Et je peux te dire que c'est elle, mamie. C'est ma mère. Eh bien, ça peut être une imposture. Grand-mère, quand l'accident a eu lieu, j'avais 14 ans déjà. Et je me souviens parfaitement de ma mère, c'est elle. J'en suis sûr. Ah, tu sais, parfois l'homme ne voit que ce qu'il veut voir. Alejandra, je t'assure qu'aucune femme n'est venue ici durant ton absence. Bon sang, ne sois pas paranoïaque. Regarde bien. Je suis resté tout seul ici à t'attendre. Sage comme une image. Tout seul. Tout seul. Oui. Oh, bon sang, Rodrigo. Ne me prends pas pour une imbécile. Parce que tu sais très bien que je peux avoir les moyens de confirmer mes doutes. N'oublie pas que les hommes de la sécurité me rendent des comptes à moi. Alors comme ça, t'es jalouse, hein? Non, je ne suis pas jalouse. Oublions tout ça. Mais je sais très bien quand tu fais venir des femmes ici. Je le sais. C'est fou comme tu aimes les histoires compliquées. Pourquoi tu ne t'asserrais pas ici et tu ouvrirais une bouteille de champagne pour célébrer le fait que nos plans se soient bien déroulés? Et ensuite, tu me donnes mon cadeau avant ce soir. J'aime ce projet, oui. Mais tu sais, ce soir, j'en ai d'autres pour ce champagne. Ah oui? Et qu'est-ce que c'est? Je vais l'apporter à la maison de Leonardo. Et on va célébrer le retour de sa femme décédée. Alejandra, t'es devenue folle ou quoi? Qu'est-ce que tu irais faire dans cette maison? D'après ce que je sais, on n'est pas du tout invité. Eh bien non, ils ne m'ont pas invité. Mais je trouverai juste un prétexte, une excuse pour aller là-bas. Donc je vais de ce pas me changer, parce que ce soir, je veux m'amuser. Oh, arrête de me prendre l'attention. Si après tout ce qui s'est passé ces derniers jours, j'ai pas fini dans une tombe, ça veut dire que tout ce que m'ont dit ces médecins est une erreur. Je ne suis pas du tout malade. Maman, les médecins ont dit que ton état de santé est très inquiétant. Alors il faut s'en préoccuper. D'accord, et si c'est vrai, et que vous voulez que je me sente bien, alors arrêtez de me décevoir autant. Ouais, c'est ce qu'on essaye de faire. Ouais? Eh ben on dirait pas. Tu veux bien me dire ce que fait Maria Lucia dans la maison de ces gens? Bon, maman, je t'ai expliqué, non? Irène traverse un moment très difficile et... Et je te rappelle qu'elle n'est pas toute seule, elle est avec Sandra. Oh mon Dieu, oui. C'est rassurant. Mais même à deux, ce n'est pas suffisant. Maria Lucia est amoureuse de l'autre et Sandra est une jeune fille mal élevée et plutôt inconsciente. Maman, ne parle pas comme ça. Sandra est une fille très solidaire. Elle aime beaucoup Maria Lucia et elle l'a toujours soutenue. Toujours? Bien sûr, dès que c'est mal ou que c'est pour faire des bêtises. Justement en ce moment. Maman, je t'en prie, arrête de parler comme ça. Oh, Irène doit enfin rentrer à la maison. Maintenant que cette femme est revenue, elle n'a plus rien à faire là-bas. Irène aime beaucoup Leonardo. Oui, mais sa femme est revenue.
Irène doit revenir à la maison et oublier ces gens qui nous ont fait tant de mal. Maman, tu ne peux pas changer le passé. Oui, j'aimerais bien. Tout faire pour que ces gens disparaissent de notre vie. C'est une plaie pour nous toutes. Maman, je t'en prie, ne dis pas ça. Je dis ce que je ressens. Et tu sais quoi? Je suis contente que cette femme soit réapparue. Pour voir une bonne fois pour toute la fin du mariage de ma fille avec Leonardo Ferrandiz. T'es vraiment mauvaise. Je suis contente de ce qui vient de se passer. Et de voir qu'au moins une fois dans toute ma vie, on me donne raison. Monsieur, il y a mademoiselle Maria Lucia. Maria Lucia? Bonjour. En vérité, je suis content que tu sois venu. Et donc, si on peut se parler? Parce que tu m'as beaucoup manqué, Maria Lucia. Attends. Alors, si elle n'était pas venue te voir, tu serais restée là à attendre? Écoute, il existe une chose qui s'appelle le téléphone. Ça sert à parler, à communiquer, pour s'exprimer... Arrête, Sandra. C'est moi qui lui ai demandé de ne plus m'appeler. Ah. Et qu'il arrête de m'envoyer des messages parce que j'allais pas y répondre. Si je suis venue chez toi, c'est simplement pour parler avec Irène. Elle est encore là? Oui, elle est dans sa chambre. D'ailleurs, elle allait descendre. Si tu veux, tu peux l'attendre ici. Non, je préfère monter. En vérité, j'ai besoin de lui parler, c'est très urgent. Si tu veux que je t'accompagne? Ok, Léo, mais je veux que les choses soient claires. De un, si je suis venue chez toi, c'est uniquement et exclusivement pour parler avec Irène. Rien d'autre. Et ensuite? Bah quoi? Et de deux, ma décision n'a pas changé, Léo. Notre relation est terminée. Et tu sais très bien que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous deux. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, monsieur Carlos Ernesto. Maribel, non, tu ne me déranges pas du tout. J'étais en train de faire du travail sur l'ordinateur. Qu'est-ce qui se passe? Je peux t'aider? Ah, en fait... Bon, j'ai tardé un peu parce que je parlais avec des amis et donc je me suis rendu compte que vous étiez encore là. Et du coup, je suis passée vous voir. Oui. En fait, j'avais besoin de savoir si vous alliez à la maison de monsieur Leonardo. Ah, tu sais, justement, je me posais la même question, Maribel. Et effectivement, je n'ai aucune raison d'assister à cette célébration. Ah, quel dommage. C'était pour savoir si je pouvais y aller avec vous. Oh, en fait, monsieur Carlos Ernesto, en vérité, je suis très inquiète. Je suis très inquiète pour mon amie Irène. Ouais. Tu as tout à fait raison. Elle doit être extrêmement perturbée, consternée par cette situation. Pas facile. Perturbée, peu dire. Oh, monsieur Carlos Ernesto, écoutez, je suis très inquiète. Elle doit être très, très mal. Elle doit vivre un cauchemar. C'est bon. J'espère que Leonardo a agi avec bon sens. J'espère qu'il a parlé à Rebecca à propos d'Irène et qu'il lui a dit combien elle est importante dans sa vie. Non, je crois pas que ce soit le cas. Imaginez le pauvre monsieur Leonardo. Il doit être encore plus perdu que les autres. D'accord, mais d'une manière ou d'une autre, il doit parler à Rebecca d'Irène. Ah oui, c'est un peu tard. Il vaut mieux que je parte. Merci beaucoup, monsieur Carlos Ernesto. Merci de m'avoir parlé. Ah, monsieur Carlos Ernesto, d'ailleurs... Oui, dis-moi, Maribel. Vous vous souvenez de mon ami détective dont j'avais dit qu'il était très bon? Oui, je crois que si, vous... Si, celui qui est comme un détective de toutes ces séries télévisées. Vous vous souvenez? Écoutez, vous devez savoir qu'il a appris quelque chose sur cette femme qui est revenue. Vous n'aimeriez pas savoir ce que c'est? Non. Je ne peux pas comprendre ça. Je ne peux pas le comprendre. Après 5 années, elle était supposée être morte. Ah non, elle revient comme ça, sans rien faire. En plein 21e siècle, fiston. Maman, je suis aussi perturbée que toi là-dessus. Ah. En plus, ça me fait mal au plus profond de moi, parce que tout ça altère complètement aussi bien ma vie que celle de mes enfants. Mais bien sûr, je n'en doute pas. Tout ce changement... Ah.
Et maintenant, on découvre qu'ils l'ont retrouvée sur la plage. Elle se souvient de rien. Elle va mal, elle est malade. Oh, s'il te plaît. C'est ce qu'ils m'ont dit, maman. Et alors? Pourquoi ils n'ont pas prévenu la famille? Parce qu'elle ne se souvenait absolument de rien, maman. Je te l'ai dit. Elle savait même pas son prénom. Et ses empreintes digitales, c'est normal? Est-ce que c'est légal? Eh bien, les médecins m'ont confirmé que oui. Ils ont transmis toutes ces informations concernant cette affaire aux îles les plus proches, mais ils ne l'ont pas fait dans notre pays. Ils l'ont retrouvée si loin des côtes du pays que jamais ils n'ont imaginé qu'elle était d'ici. Ah, ils auraient dû le faire avant. Ah. Et maintenant, voilà qu'après 5 années, ta femme est revenue. Mais je ne comprends pas. La nouvelle de son accident a été nationale et internationale. Enfin, ce n'est pas une femme ordinaire, fiston. Maman, qu'est-ce que je peux te dire? Ils ont agi de manière non professionnelle, nous le savons. Mais ça ne vaut pas la peine de se plaindre. C'était il y a longtemps. Non, mon fils. Non, je sais que ça n'en vaut pas la peine. Je ne veux pas réclamer. Ah, c'est juste que tout est... Je ne sais pas, Leonardo. Moi, je trouve tout ça suspect. J'y crois pas. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai vraiment du mal à croire à tout ça. Tu penses que c'est une arnaque, un mensonge? C'est bien vrai, maman. C'est elle. C'est Rebecca. Je le vois. Elle est vivante et avec nous. Et le pire de tout ça, c'est que je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas. Oui, entrez. Regarde qui est venu te voir, Irène. Mon amour, qu'est-ce qui se passe? Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, je vois. T'es venue me présenter tes deux copines. Ou alors l'une d'entre elles est plus que ça. Elles sont très belles et très jolies toutes les deux. Non, madame, en vérité, on est moins que ça. Et excusez-nous de vous avoir dérangé, on pensait qu'on allait trouver Irène. Irène? Mais pourquoi la secrétaire serait dans la chambre de mon mari? Perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Más perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo?